Et c'est lui-ci qui pardonne même les péchés des gens. Aïe, aïe, aïe. Qui est cet homme qui connaît même les pensées des cœurs? Venez voir, c'est lui que nous avons trouvé. Venez voir, le Messie est de nouveau sur la terre. Venez voir, c'est lui que nous avons trouvé. Venez voir, la lumière. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient assis dans la parole. C'est vrai qu'ils connaissaient les Écritures et ils les sondaient. Et ils attendaient Jésus, mais selon leur propre conception. Et pourtant Dieu ne viendra jamais selon les calculs des humains. Quand une époque change, Jésus aussi change de forme. C'est pourquoi tout le monde peut lire la Bible, mais la parole revient aux prophètes. Ils attendaient Jésus, mais quelle serait la forme de Jésus? Et quand il va apparaître, comment vont-ils le reconnaître? Reconnaître Jésus, mon bien-aimé, c'est la révélation. Voir Dieu dans la chair d'un homme, autant d'histoires, c'est la révélation. Discerner les corps du Seigneur, mon bien-aimé, c'est la révélation. Et Jésus a dit à Pierre, sur ça j'ai bâti mon église. Mais cette femme samaritaine avait eu la grâce de les reconnaître par des signes messianiques. Et elle s'est écriée, venez voir, c'est lui que nous avons trouvé. Venez voir, le Messie est de nouveau sur la terre. Venez voir, c'est lui que nous avons trouvé. Venez voir, la lumière est de nouveau sur la terre. Aujourd'hui, la même histoire se répète. Les églises laodicéennes veulent aussi voir le Messie. Ils attendent Jésus, mais quelle sera sa forme aujourd'hui? Et pourtant, dans les zodiaques, Jésus vint premièrement comme l'agneau. Et à la fin des âges, il doit revenir comme les lions. Alors je me demandais, les pentecôtistes et ces autres églises, et qui attendaient Jésus, c'est comme les lions ou comme l'agneau. J'ai compris qu'ils attendaient Jésus, mais c'est Jésus-là des cicatrices. Aujourd'hui, s'il vient avec des cicatrices, pour moi, c'est un antichrist. Si Jésus descend aujourd'hui, comme l'agneau, c'est un antichrist. Car il nous a été dit, descendre veut dire changer de forme. Et ma promesse d'aujourd'hui, c'est de voir Jésus-Christ actualisé. Le même Jésus, excepté son corps physique. Et par la révélation, je l'ai croisé dans un homme chauve. Le grand Dieu de l'univers, c'est qui est nocé dans un homme de chair. Et croire ces choses bien-aimées, c'est ça l'évidence du Saint-Esprit. Et ça nous donne même le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Car le livre de cet sceau, Dieu l'a remis au prophète Branham. Ce qui veut dire la grâce aujourd'hui, mon bien-aimé, rien que dans le message de l'heure. Le vrai pardon des péchés, autant d'histoires, rien que dans le message de l'heure. Voire même les rachats, mon bien-aimé, rien que dans le message. J'ai vu Dieu, le Seigneur Jésus est ni mon fait. J'ai vu Dieu, les grands Amoya est ni mon fait. Venez voir, le
et nouveau sur la terre. Yé lé lé, yé lé lé, yé lé lé, yé lé lé, yé lé lé.